Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire ensemble du renforcement musculaire, jambes, puis abdos, et on va finir par une petite séance d'étirement. Alors pour les jambes, on va enchaîner 5 exercices. Le premier, squat. Le deuxième, des fentes alternées. Ça va suivre avec des fentes sur place. En quatrième, des remontées de buste. Et le cinquième, on va faire des squats droite et gauche. Alors tous les exercices vont s'enchaîner sur un rythme de 30 secondes, puis 15 secondes de repos. Et le cycle sera de 3 fois. C'est un niveau moyen, un niveau intermédiaire. Alors ne cherchez pas spécialement à me suivre, faites-le à votre rythme. Essayez plutôt de tenir le temps avec le chrono. C'est parti! Alors avant de commencer, bien évidemment, pensez à vous échauffer. Donc faites un petit réveil articulaire au niveau des chevilles, des genoux, du bassin, des hanches. Les bras. Si vous avez la possibilité de faire un petit footing, ce serait bien, une petite demi-heure. Donc pensez à prendre votre papier. Sinon, restez à la maison si vous avez une corde à sauter. Vous faites des petits sauts sur place, des montées de genoux. Donc comme à la salle d'entraînement, on ne démarre pas, je dirais, des phases de renforcement musculaire à froid. Ok, ceci étant fait, maintenant on va commencer la séance. Donc on va commencer avec des squats. Donc la première série, ça va être, je le rappelle, donc des squats. Après des fentes alternées, des fentes sur place, des remontées de bassin et des squats droite et gauche avec une transition au milieu. Donc là, je vais démarrer le chrono et on va le faire donc en direct en même temps. C'est parti. Allez, squat. 30 secondes. Donc dans cet exercice, on fait des demi-squats, donc ça ne sert à rien de descendre jusqu'en bas. Essayez, le plus important, c'est de garder le dos droit. N'allez pas forcément à une vitesse rapide, allez-y à votre rythme. Donc là, on part pour 30 secondes. Il reste 6 secondes. 3, 2, 1. Et là, on fait une pause. Donc sur la pause, on étend bien les jambes. Et donc là, on est parti pour des fentes alternées. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc pareil, dans l'esprit des squats, toujours, on essaye de garder le plus important, le dos droit. Donc là, on essaye d'amener le genou qui fléchit le plus bas sans toucher le sol. Et le plus important, évidemment, on pense à bien bien respirer. Donc là, on va faire des fentes sur place. Donc je vais compter. On va rester sur un chrono de 30 secondes et on va faire les échanges. C'est parti, on prend la position, je me cale, je gère l'équilibre et là je descends. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On détend les jambes. Donc là, ça commence à bien bien chauffer et c'est juste le premier tour. On n'a même pas fini le premier tour. Donc là, on va faire des remontées de buste. Donc on se place et là, on lève le bassin. Pareil, sur 30 secondes. Donc vous pouvez tenir quelques secondes en haut et redescendre. Hein. Ça, c'est à votre rythme, à votre commandance. Et là, je n'ai pas les pieds à plat. Je suis sur les talons. Secondes, ce n'est pas fini. On est toujours sur la première série. Alors, on va se terminer sur des fentes droite et gauche avec une transition au milieu. Toujours pareil, on étend les jambes. C'est parti. 1. Droite. Milieu. Gauche. Milieu. Droite, milieu, gauche.
Là, on respire bien. Là, ça chauffe. Oh, on détend. Donc là, on a fait le cycle complet, le premier tour. Donc là, on part pour 3 tours. Donc là, on va redémarrer sur des squats. Deuxième tour. Donc là, on respire, on relâche. C'est parti. Donc pareil, à votre rythme. Hein. Vous pouvez y aller. Je descends. On travaille sur un chrono de 30 secondes. On pense à bien respirer. Avec le sourire. Les bras, les épaules, c'est parti. Donc là, on repart sur défendre sur place, on détend bien les jambes, on se calme dans sa position, on gère son équilibre, et là on descend, dos droit, voilà, soit vous mettez les bras au niveau de la nuque, soit vous laissez les bras ballants, peu importe. Là, le plus important, c'est le travail du genou qui descend. Je change, je cale l'équilibre, je gère, et là, dos droit. Vous voyez, je ne suis pas devant ni en arrière, je cale mon dos. Je descends. Ok. Toujours pareil, je détends les jambes. Donc là, on va faire des relevés de bassin. Je me prépare dans la position. C'est parti. Voilà, je monte bien le bassin et je descends. Le dernier de la deuxième série. Donc là, c'est des squats droite-gauche. Pareil, je récupère. Je me relâche. C'est parti. Donc là, on travaille évidemment le relâche, le renforcement musculaire, mais aussi le cardio. Hein. Donc ça, c'est aussi important. Ok, donc là, on a fait le deuxième cycle. On va repartir sur les squats. C'est parti. Donc moi, je l'ai fait peut-être un petit peu vite. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire vraiment à votre rythme. Même plus lentement, c'est beaucoup plus difficile. Ok, on arrive à la fin. Ok, relâche. Donc, fente alternée. Ça n'a toujours pas changé, c'est toujours le même cycle. C'est parti.
Donc pareil, hein. On alterne, on essaye de garder au maximum le dos droit, ici. Là, je gagne bien en fait, on fait les abdos aussi, hein. Ok, posez, récupérez, relâchez, allez, relevez le bassin, je me mets sur les talons, je pose mes mains à plat et je monte le bassin. Si vous trouvez que c'est trop facile, il y a des petites variantes, hein. Voilà, là on voit tout de suite qu'on a un degré de difficulté qui est nettement supérieur. Et on alterne évidemment, on fait droite et gauche, de manière à bien équilibrer les deux jambes. Je reviens sur le premier mouvement. Ok. Allez. Dernier. Et squat droite-gauche. C'est parti. Serré, écarté. Serré, écarté. Donc là, le plus important dans les squats et dans tous les mouvements de flexion de jambes, c'est d'avoir le genou dans l'alignement de la cheville. Ok, en fonction de votre écartement, vous devez avoir le même alignement pour éviter de créer des tensions au niveau du genou. Donc avoir des douleurs articulaires. Ok, ça c'est fait. Allez. Donc là maintenant, je ne vous l'ai pas dit, on va faire un exercice supplémentaire qui va être l'exercice de la chaise. Alors la chaise, il faut trouver un mur, un appui, de manière à bien caler le dos. Et là, on va vraiment travailler isolé, en isométrie, le travail au niveau des quadris, des jambes, des mollets. Et c'est un super exercice. Donc moi, je vais me mettre derrière, donc au niveau de l'escalier. Donc on va se caler sur une minute. Donc essayez de le faire, hein, si vous ne pouvez pas, essayez d'arrêter-vous avant. Donc on va faire une minute, 30 secondes et une minute. Donc on le fait deux fois, ok? Alors, je vais lancer le chrono. Donc là, on est parti pour une minute. Ok, c'est parti, c'est lancé. Donc là, je me cale, je descends, j'essaye vraiment d'avoir les pieds parallèles. En fonction de l'écartement, ça c'est vous qui gérez. C'est plus difficile de le faire un peu plus serré. Donc là, j'ai vraiment le dos appuyé contre le mur, ou là, pour moi, c'est en l'occurrence, c'est un espalier. Et là, je me concentre. Donc j'essaye de garder les mains plutôt derrière que sur les cuisses. C'est une difficulté supplémentaire. Et là, je me concentre sur la respiration. Une minute, ça devrait le faire. On a dépassé les 30 secondes. Et là, surtout, je me concentre sur la respiration. Donc, c'est aussi bien un travail sur le renforcement musculaire, mais aussi sur la concentration. Donc là, on est à 12 secondes. Donc, si vraiment vous sentez que ça tremble de trop, n'allez pas trop loin non plus dans la douleur. Mais ça, c'est un super exercice. Ok, on relâche. Donc là, on a 30 secondes de récup. Donc là, un petit exercice que j'affectionne bien pour le relâchement, c'est que là, je pose mes mains sur les quadris et là, je vais relâcher ces gros muscles là, ici. Et là, généralement, avec un exercice comme on vient de le faire, pour la chaise, ça c'est super ça. Ça relâche bien, bien tout le muscle. Ok, je relâche. Donc là, on est prêt, on se prépare et on enchaîne. Donc là, je me cale dans la position. J'essaye de faire un bel angle à 90 degrés pour augmenter évidemment la difficulté. Et tout ça, comme le dit Frédéric, avec le sourire, c'est le plus important. Si tu n'y arrives pas, souris. Et si tu arrives, bah, souris quand même, c'est mieux. Allez. Donc là, on se concentre sur la respiration. Le haut du corps, il n'y a pas besoin de mettre de tension, mais juste caler au niveau du dos, de manière à bien tenir l'équilibre, c'est tout. Et après, on se concentre sur la respiration. Voilà.
Voilà, ça commence à chatouiller un petit peu les jambes. Et on a encore 15 secondes à faire. Et oui, on arrive en fin de session là. Là, on regarde le chrono, on se dit quand est-ce que c'est fini. Ok, ça y est. Ok, ça c'est fait. Donc là, les programmes de jambes, c'est fait. Donc là, on récupère.